Troisième étape aujourd'hui de la tournée du chef de l'État dans le Bekè. Le président Alassane Ouattara est en ce moment à Béoumi. Hier, c'est la population de Botro qui a accueilli le chef de l'État. Le droit international promu à l'université de Cocody par l'APDH. Et puis au Mali, le général Sanogo arrêté alors que le pays s'achemine vers un second tour des législatives. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce voyage à travers l'actualité. Première escale, Botro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara y était hier dans le cadre donc de sa visite dans le Bekè, visite entamée lundi dernier. Pour cette deuxième étape encore, le président de la République a répondu favorablement aux doléances des populations. Il s'est engagé à offrir, entre autres, un centre de formation professionnelle à la localité. Il a également inauguré la station de pompage de la Loka. Le président Alassane Ouattara est donc aujourd'hui à Béoumi pour la troisième étape de son périple dans le centre du pays, hier à Botro, communion avec une population comblée, d'autant plus que le chef de l'État s'est engagé à offrir à la localité un centre de formation professionnelle, entre autres. Que ce soit la sécurité, la santé, l'éducation, la réhabilitation et la construction des infrastructures, l'équipement des services publics, dans le cadre de mon programme de gouvernement. Beaucoup n'y avaient pas cru et pensaient que c'était tout simplement un slogan de campagne. Mais vous êtes témoin aujourd'hui de voir que ce travail est en cours dans de nombreuses localités. Concernant les doléances, mais je peux vous assurer que nous avons déjà réalisé de nombreux engagements. Par exemple, dans le domaine de l'eau, jusqu'en 2011, la ville de Botro était alimentée par des camions-citernes. Oui, aujourd'hui, le raccordement de la ville à la station de la Loka a permis de résorber le déficit d'alimentation en eau. Nous avons, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, investi près de 800 millions de francs CFA dans le seul département de Botro. Plus de problèmes d'eau à Botro, à la faveur donc de la visite du chef de l'État dans le Bekè, une présence dont voudraient certainement jouir les populations de Priti à Inkro, village situé à 7 km de la sous-préfecture de Transua, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire. Ce village de plus de 1000 âmes semble avoir été oublié, nous dit Grace Kando. Nous sommes au domicile de la famille Kwasi. César et ses frères étudient à partir d'une lampe de fortune. Situation oblige ici à Priti à Inkro, un village situé à 7 km de la sous-préfecture de Transua. Il n'y a pas d'électricité, pourtant des poteaux électriques ont été installés depuis plusieurs années. La mise sous tension n'est jusque-là pas effective. Les élèves n'ont pas de courant pour étudier la nuit. Ça crée beaucoup d'échecs dans la journée. Pour quelqu'un qui passe, c'est comme si le village était électrifié, alors que ce n'est pas le cas. Et ça nous cause beaucoup de désagréments. Depuis 2006, nous avons les poteaux, nous avons les lampadaires. Malheureusement, il n'y a pas de connexion. Et nous savons que la lumière est un facteur de développement. Aujourd'hui, nous sommes dans le modernisme. Les enfants connaissent des difficultés au niveau des études déjà. Il faut avoir de la lumière pour mieux étudier. Les instituteurs qui arrivent aujourd'hui, faute d'électricité, sont obligés de partir et nous ne pourrons pas les empêcher. Que de difficultés dans ce village. Seulement deux pompes villageoises approvisionnent les populations estimées à plus de 1000 âmes en eau potable. Pompe là, c'est deux. Un gâteau maintenant, même. Mais on ne peut pas trouver l'eau pour boire. Tout le monde, c'est une seule pompe là, on pisse. L'eau là ne vient pas bien. Et puis les choses ne sont pas serrées. Tout est gâté. On ne sait pas comment il faut faire quoi. Ici, on souffre pour avoir l'eau. Et toujours au chapitre des préoccupations, les voies ne sont pas praticables. Une situation qui crée de nombreux désagréments aux riverains. Quand une femme doit accoucher comme ça, soit elle accouche au village, ou soit on doit la transporter à moto ou bien à vélo, dans un palanquin. Donc vraiment c'est difficile. Il y en a même qui en meurent. À quand la fin du calvaire des populations de Priti à Inkro?
Ces dernières ont le regard tourné vers les autorités compétentes pour qu'une solution durable soit trouvée. La journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes, c'était le lundi 25 novembre dernier. À l'occasion, 16 jours d'activisme sur la question sont observés. Et dans cette dynamique, un panel a été organisé par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Franck Wadio. En Côte d'Ivoire, une femme sur trois est victime de violences physiques selon le démographique Elva Servé. Cette donne de l'agence américaine illustre bien la nécessité d'agir. 16 jours donc d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes. Une campagne internationale est lancée depuis 1991 par le Women's Global Leadership. Et en Côte d'Ivoire, la représentation diplomatique américaine s'implique. La violence n'est pas limitée au foyer. Elle implique les mutilations génitales féminines, le trait des personnes et les viols. Un quadruple regard donc pour guider alors la réflexion, celui de la société civile, de l'autorité de tutelle, de la force publique et du guide religieux. La religion parle d'amour, de respect de la vie, de l'importance de la femme. La même religion ne peut pas dire enlevez vos chaussures pour frapper une femme. La Côte d'Ivoire a ratifié beaucoup de conventions, la CEDEF, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Il faut les transformer en loi, il faut les transformer en stratégie nationale, pour les transformer en mécanisme de réponse pour que les Ivoiriens puissent effectivement avoir des services de qualité. 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes. La campagne a débuté le 25 novembre. Elle s'achèvera le 10 décembre par la Journée internationale des droits de l'homme. Et on reste avec Franck Kouadio pour parler cette fois promotion de l'enseignement du droit international à l'université. L'ONG Action pour la protection des droits de l'homme s'inscrit dans cette dynamique. Elle vient pour se faire de remettre de la documentation à l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques de l'université de Cocody. Université Félix Fouette-Boigny de Cocody. La fontaine n'a pas arrêté de couler, reflétant l'éclat de l'institution encore moulée dans ses habits neufs. Décor enchanteur qui a cependant quelques revers. La bibliothèque des sciences juridiques, par exemple, présente un bien pâle visage. En ouvrage, en droit privé, nous avons assez d'ouvrages, mais c'est surtout en droit public que nous avons un peu de difficultés. Et quand vous venez ici, vous tombez sur des documents vraiment obsolètes, des documents désuets. À la limite, vraiment vieux. Touché par le cri d'indignation et soucieux de promouvoir l'enseignement et l'étude du droit international, l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme APDH, en association avec la division de la codification du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies, vole au secours de la bibliothèque de l'UFR des sciences juridiques. Ces ouvrages sont relatifs au droit international et sont d'une extrême qualité dans la mesure où ils sont actualisés. Ce sont des décisions de justice actualisées jusqu'en 2013. Ce sont également des commentaires d'arrêt, des décisions, des avis rendus par d'éminents juristes, par d'éminents internationalistes. Après l'université de Cocody, le Centre de recherche et d'action pour la paix CIRAP a aussi reçu de l'APDH des documents portant sur divers domaines du droit. Une action qu'entend rééditer l'APDH, créée en 2003 pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Un plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort et la torture. C'est l'objet de la mission de la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de ces pratiques. La FIACAT était en Côte d'Ivoire du 17 au 21 novembre dernier. La Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture FIACAT a passé une semaine en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré différentes organisations de défense et de promotion des droits de l'homme, de la société civile, des chancelleries et le ministère de la Justice. Elle exhorte le gouvernement ivoirien à prendre davantage de mesures en faveur des droits de l'homme. La FIACAT et la CATSI ont d'une part félicité les autorités ivoiriennes qui, en moins d'un an, ont fait des avancées, affichant ainsi la volonté de ces autorités de respecter les droits de l'homme. Cependant, il existe encore des recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
qui font l'objet de nos préoccupations. Partout où la FIACAT est passée, elle a plaidé pour la ratification du second protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques sur la peine de mort. Il s'agit d'un petit pas, mais c'est un pas supplémentaire qui permet facilement d'aller vers l'abolition, de montrer l'exemple, de démontrer son engagement international en faveur de l'abolition. La FIACAT invite également les autorités à réviser le code de procédure pénale et le code pénal ivoirien en vue d'intégrer la définition conventionnelle de la torture et de la criminaliser. Des mesures qui permettront d'améliorer les conditions de détention des personnes privées de liberté, mais aussi d'éviter les détentions injustifiées. Hors de chez nous, escale au Mali, le Mali qui s'achemine vers un second tour des élections législatives. Ce sera le 15 décembre prochain, toujours au Mali. Vous le savez, depuis hier, le général Amadou Sanogo a été arrêté et inculpé de meurtre et d'assassinat. En Centrafrique, l'arrivée des soldats français supplémentaires annoncés se prépare activement. Ce sont près de 800 soldats qui devront donc appuyer la mission des 410 militaires déjà sur place. Le matériel logistique prévu à cet effet devrait arriver dans le pays aujourd'hui même. La France prépare l'envoi de 800 soldats supplémentaires en Centrafrique. Une intervention pour une durée de 6 mois annoncée mardi à Paris et soutenue par l'Union africaine. Ce contingent français va appuyer le déploiement des casques bleus de la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Une résolution des Nations Unies sera examinée en ce sens début décembre à New York, avec une double mission à la fois humanitaire et sécuritaire. D'abord, venir en aide à une situation humanitaire abominable, je dis bien abominable. Ensuite, rétablir la sécurité dans un pays qui est en train d'imploser. Troisièmement, permettre une transition politique, car les autorités là-bas sont transitoires. Et quatrièmement, le moment venu, permettre un redémarrage du développement économique. Dans un pays en proie à un début de guerre civile et à une grave crise humanitaire, les Centrafricains comptent désormais sur l'arrivée rapide des soldats français et africains. La population est dans une désespérance totale et que nous espérons que cette force arrive pour enfin nous libérer. On se sent quand même en sécurité avec l'arrivée des Français. Ça vous rassure beaucoup. Ça nous rassure. Espérons que l'armée française va nous amener la paix. La résolution sur la Centrafrique, présentée le 4 décembre prochain au Conseil de sécurité, devrait autoriser le recours à la force pour les casques bleus afin qu'ils puissent neutraliser les ex-rebelles responsables des exactions de ces derniers mois. Haïti, endeuillé par un nouveau drame de l'immigration, au moins 30 personnes tuées. Nouveau drame de l'immigration, cette fois au large des Bahamas. Un voilier de 12 mètres de long a chaviré, à bord des Haïtiens. Tous ceux qui ont réussi à s'accrocher à la coque du navire ont pu être secourus par les gardes-côtes américains, 70 au total, mais une trentaine d'autres sont morts. Voilà, c'est la fin de cette édition. Rappelons toutefois, avant de nous dire au revoir, que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est en ce moment dans le Bekè, précisément à Béoumi, pour la troisième étape de sa visite dans cette région. Merci de nous avoir suivis.